Ah, gars, je veux rien voir sur les visages. Encore. Quatre. Cinq. Salut. 7h00, hein. Ok, bon les gars, merci d'être venus. C'est un honneur d'avoir 9 bonhommes qui se déplacent un lendemain de Noël, qui plus est dans une ville qui n'est pas la vôtre. Ensuite, donc, on a frôlé la punition collective parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ont un peu fait des sports dans leur jeunesse, s'il y a des moments dans les deux jours où il y en a un qui n'est pas à l'heure ou qui sort pas de sa chambre, c'est tout le monde qui va ramasser, ça faut le savoir déjà les gars. Ok les gars, c'est bon, c'est qu'on démontre, si vous voulez checker vos allures, c'est le moment de les mettre. On y va ? Ouais. 3, 2, allez, c'est parti. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo, they wouldn't let me. Man's gonna wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Let man's gal when I come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I'm A plus with it, so don't test me. Y'a aucun leader, les gars. 30 secondes de récup, ensuite attaque le jumping jack. Ok, très bien. Bah les gars, dites-vous qu'il vous reste 45 heures à tirer. Ça va aller. Vous allez y arriver. Ça soude un groupe, ça. Les gars, je vous jure que le burpees arrive là. Les gars, si vous pas le tringuez. Vous pas le tringuez pour vous, mais pour tous les collègues aussi, c'est dommage. Un physique athlétique, puissant, ça se mérite. T'es asthmatique ? Non. C'est de marcher, c'est de voir la question asthmatique. Ça va le faire ? Ouais. T'es tombé pourquoi ? Parce que t'as trébuché ? Non, mais c'est ici. Les gars, à 3 on part en balle, Seb continue en marchant, on sort en cul, vous êtes prêts ? Ouais. Seb, c'est bon ? Ouais, tu vas pouvoir marcher ou tu veux quelqu'un avec toi ? Ouais, ouais. Les gars, 3, 2, 1, allez go ! Go vous. Ok les gars, on se met là s'il vous plaît. Cinq, on y va. Un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez, on accélère. Ça compte pas ça normalement. Les gars, vous êtes là pour vous révéler aussi. Un, deux, ok. N'ayez pas peur de vous imposer, cinq, de parler fort. Six, les gars, je veux rien voir sur les visages. Six, c'est pas de la souffrance, ça, rassurez-moi. Ok les gars, donc, Dim, viens s'il te plaît. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, il y a 5 chambres, vous êtes 9. Donc il y aura 4 chambres en binôme et celui qui va rester le plus longtemps possible, jusque trapèze inclus dans l'eau, il aura la chambre solo. Ok ? C'est bon les gars, je lance le chrono. Vous y allez tous en même temps, vous êtes tous immergés. Les gars, c'est du putain de mental, d'accord ? Vous avez tous fait des trucs plus durs que ça dans votre vie, les mecs. Oui ou non ? Ouais. Pensez à vos proches qui vous connaissez, qui sont malades, qui sont hospitalisés. Vous ne croyez pas qu'ils payeraient pour aller se mettre dans l'eau. 3, 2, 1,
Allez. Vas-y, moi je suis out. Cours, vas-y gros, cours, vas-y. Ou pas On est à 38 secondes. On approche la minute. La minute, on y est. Je commence à avoir des crampes. Tombe de partout, t'as même les biceps. C'est vaseux mais ça fait plaisir. Bon, on est à deux dans la crampe solo. Hein. En bas. Ouais, tu nous montres. 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je te laisse, quoi. Ok, c'est vainqueur. Ah, bien joué. J'ai pas eu la course, j'ai eu la chance. L'histoire est belle. Ouais, l'histoire est belle. Il est à la rue. Il a été le boulet, tout le monde a fait des burpees à cause de lui, au final il gagne l'épreuve. La mise, il est... Ah, merci, merci. Moi j'aurais kiffé que tu viennes avec nous, franchement. Je sais juste dans moins de 2 mois, je vois sur ton Instagram que tu vas poser dans une eau plus froide que ça. Juste pour nous montrer que t'es vide. À Moscou, je vais le faire. Ah, j'espère. Ah, voilà. Je te ferai une belle dédicace si tu veux. C'est pas mal. Bien sûr. Toujours, la parole fait l'homme. La parole fait l'homme, mon gars. Les gars, 10h07, on est passé à ça. T'es à 2 secondes près, hein. C'est vrai, c'était à quelle heure qu'on avait pas à 10h. Le but, c'est de se fracasser la gueule, c'est de s'entraîner, mais pas que. Et j'ai plus envie de miser sur l'humain, la vraie vocation du mastermind. Vous allez chacun avoir, on verra en fonction du temps qu'on a, je pense, 10, 12 minutes pour vous présenter. Je veux vraiment avoir l'impression de vous connaître à la fin de votre présentation. J'ai grandi en Alsace, j'ai une sœur, mon père était ingénieur chez EDF et ma maman était très malade, elle était alcoolique et puis elle prenait beaucoup de médicaments. J'ai fait des erreurs, j'ai fait de la merde, j'avais des capacités en fait pour faire des trucs au collège, au lycée, seulement j'étais sur le rang du fond, à foutre le bordel. Je pense selon moi, dû au divorce, j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup grossi, j'étais en obésité plus. J'ai toujours rêvé en fait d'être militaire, depuis tout petit. Donc 16 ans et demi, j'ai arrêté l'école, j'ai échoué aux sélections. Donc ça, je vais dire tout de suite, c'est mon plus grand regret. Côté pro, bah, je change la vie des gens. Donc satisfaction, je rends les gens en meilleure forme. Et c'est ouf, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Non mais c'est ça, le principe c'est ça. Ah, mais niveau timing, c'est comment? Ça marche pas ça. C'est un supplément. Donc les gars, il y avait quoi qu'il en soit 30 burpees. Pourquoi? Et ça passe à 50 à cause de votre cher ami Dimitri. Chacun annonce quand il est à 10. Ah. 50. Ça va aider toutes les punitions que j'ai eues. C'est pour moi. T'as puni les copains aussi? 50. Je vais sur les épaules. Perdez pas de vue, vous ne savez rien. Donc même dans votre approche des repas, dites-vous que je peux très bien vous dire on se lève de table et on fait des burpees, vous voyez ce que je veux dire? Soyez prêts à tout. 3, 4, 5, 6, matériorise les gars, 7. Potentiellement, le mec à côté de vous, c'est un adversaire. Il doit pas savoir que vous êtes dans le rouge. Il doit pas savoir que vous êtes dans le dur. Ça regarde qui, votre souffrance? 4. Pourquoi j'ai un groupe fatigué, les mecs? 5. Ok, les gars. Vous mettez en caleçon, s'il vous plaît. On a le t-shirt, on a tout. Ok, donc les gars, l'idée du mastermind, c'est de faire des trucs un peu qui vous bousculent. En tout cas, c'est un peu le principe. Quand on aspire à faire partie des 1%, ça englobe vraiment pas que le sport. Parce que si on est le meilleur athlète du monde, mais que intérieurement, intellectuellement, on est creux, on n'est pas un être humain intéressant, je pense. Et du coup, les interactions que vous aurez avec les gens seront creuses, peu approfondies. J'aime bien un peu les mots, les lettres, écrire et tout. Et je me suis dit en fait que j'allais vous faire...
tirer au sort. Chacun un papier. Donc t'en prends un. Juste un. Voilà, donc il y a trois mots sur ce papier. Vous allez avoir 15 minutes pour écrire un poème. C'est juste d'écrire un truc joli. Un truc joli, j'aimerais que ça fasse quand même au moins 15 lignes. Ouais. Voilà. Littéraire, quoi. Ouais, un peu littéraire, mais t'as dit que t'étais dans les bouquins. Alors les mots étaient chocolat, chemise, chien. J'ai toujours adoré manger du chocolat. Quand j'étais petit, à Pâques, à Noël et tout le tralala. Je n'ai pas besoin d'abri. L'horloge s'arrêtera un jour. Je profite pleinement de ma vie. Le rouge continue de faire des tours. C'est signe que mes yeux brillent. Soyez-en sûr, mes fistons, votre père vous rendra fier. Et je m'y engage du plus profond de mes viscères. Comptez sur moi, je ne resterai pas qu'un simple père, je deviendrai aussi pour vous un second frère. Puis, je me suis souvenu cette phrase que prononçait mon père. Celui qui veut de l'aide, le demande. Donc aujourd'hui, pour ne plus être un moins que rien, j'enfile mes baskets pour aller courir avec mon chien. Aussi doux qu'un rayon de soleil qui vient effleurer mon visage, aussi poignant qu'un tragique décès. Aujourd'hui, lorsque je viens te voir, je me remémore tous les bons moments passés ensemble. Et j'ai la satisfaction de t'avoir offert la meilleure des vies. Il y a eu des très jolies choses décrites, sincèrement. Je suis même sûr que vous, peut-être, individuellement, vous vous dites « Ouais, c'est pas dégueu en vrai ce que j'ai écrit, quoi. » Au final, qui décide de qui est légitime pour prendre une feuille, ce que vous avez fait là, et prendre un stylo et écrire un texte? On est tous légitimes. Enfin, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de BE, il n'y a pas de DU, c'est-à-dire on prend une feuille, on écrit, voilà. Et c'est aussi pour vous dire que la performance intellectuelle, comme voilà, d'écrire des jolis textes, d'accoucher de jolies réflexions, c'est aussi une performance et c'est aussi quelque chose de gratifiant quand on s'y essaye, quoi. Voilà. There ain't no one like us, are you dumb or you crazy? There's no way, G, me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, this don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. You the best. Quelqu'un au sol. Allez, yeah. je crois que moi c'te bas. T'as un dos, y'a de quoi faire avec le dos. Voilà. Encore. Ouais. Garde le contact avec ça. 110 là, hein. Ouais, c'est cool. Allez. Oui, monsieur. Encore. Fais-moi ça bien. Encore une. Elle passe. Y a rien. On la garde. Magnifique. Bien, les gars. C'est bien, hein. Franchement, c'est des belles barres, hein, les mecs. Hein. Attitude. Allez, on l'envoie. Allez. Allez, on nous a fait beau gosse. Tu viens rentrer dans le tricep là. Tu sens un peu cette sensation un peu aiguë là. T'as la congestion, c'est indéniable, t'as des bras monstrueux. Mais en fait, c'est un peu lourd, tu vois. C'est un peu lourd, il y a trop de balanciers. Ça aurait mérité 5 kilos, de chaque côté le 10. Et une exécution plus carrée, tu vois. Moins mais mieux exécuté. Moins lourd mais exécuté, ouais. Le mec il l'a répété. Et en fait derrière, même tout seul, il va chercher cette sensation d'aiguille, tu vois. Il va dire ouais, est-ce que c'est aigu ou pas? Et c'est ça qu'on veut. Mais pour ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, bien sûr. Les gars, merci. Séance de muscu bouclé. Il est 3h19 du matin. Combien les gars, annoncez s'il vous plaît toutes les 10.
Ça, c'est vraiment de la résilience, les gars. C'est un travail de connard. C'est interminable. C'est dans la tête. Ils sont vivants, là. Ils sont vivants, les gars. Il n'y aura pas de récompense, une série de plus, un jour de plus, c'est tout. Et demain faut recommencer, c'est ça le mindset les gars. N'oubliez pas que la somme de travail que vous êtes mis dans la courge là en deux jours, ça veut pas dire que derrière pendant 10 jours faut procrastiner. Donc là faut récupérer, demain évidemment on récupère. Mais après ça repart. What's next? C'est ça le mindset les gars. Ok les gars, on va rentrer gentiment à la voiture, on va y rentrer à ma sauce. Vous vous mettez par binôme, poids de corps à peu près équivalent. Et là on passe en étranglement arrière pour celui qui est sur le dos. Dis-moi l'étranglement. On switch. C'est ce que je disais, je suis content de l'état d'esprit ce matin les gars. Je sais que ça vous a mis une tarte un peu cette nuit le réveil à 3h. J'ai bien vu, j'ai senti que certains étaient crispés, que ça faisait pas rire tout le monde. Bon état d'esprit les gars, je suis content. Donc là vous avez mérité le petit déj. Merci. Bravo les gars. Donc on se met debout, on y va, 30 burpees les gars. Oh putain. 30. Je veux être ce mec où quand je pars, tes parents ils vont te dire ah ouais quand même, t'as pas ramené le clochard du coin en fait. Dans le fond, dans la forme en fait, d'être un mec consistant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme là, la fameuse citation de Coco Chanel, là on a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et c'est tout de suite en fait. Et c'est lié, si vous réfléchissez bien, à ce qu'on s'est fait hier, à savoir un départ en course d'enculé sans échauffement brutal. C'est en fait, ok, bah c'est maintenant, on prouve, c'est tout de suite. On est avec 10 autres mecs, on doit faire nos preuves, on doit montrer qu'on est là, qu'on mérite notre place au même titre que les 9 autres. On veut prouver vis-à-vis du coach, du gars qui a organisé. Et ben on démarre tout de suite. Ah ouais, mais d'habitude, ouais, mais non, t'échauffes pas, ferme ta gueule, on y va. Donc comment être un leader, avoir confiance en soi, dégager de la confiance en soi. Ça, je vous le disais, là, sur les jumping jacks, les machins, c'est... Même si c'est que sur 20 jumping jacks, il y a 10 mecs en face de vous qui vous regardent, vous leadez le truc. Et bah leadez-le pour de vrai, c'est-à-dire parler pour de vrai, c'est-à-dire monter la voix. Donc 1% c'est une mentalité, c'est refuser la médiocrité. Accepter qu'un skill non entretenu est un skill qui se perd, ça c'est ce qu'on a dit depuis hier sur l'entraînement, sur je suis content mais c'est tout en fait. C'est vraiment ça le mindset, c'est ok je suis content, j'ai fait une belle séance. Mais je suis pas satisfait. Je t'ai vu tout à l'heure. Vous connaissez à travers les médias de live, mais lesquels? Parce qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup. Moi j'avais vu le bar. Au bar, ouais. Le bar avec Diabaté ou le bar avec Sport Spécial? Les deux, je crois. Les deux. Parce que là, par exemple, tu vois, là, j'ai une bosse ici et une bosse ici. C'est parce que hier, je m'entraînais avec la Snake Team de Diabaté. Donc je me suis roulé dessus. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Brice Postal et je suis un ancien contracteur. À l'époque où on employait ce terme, c'était pour qualifier les opérateurs qui étaient sur des opérations clandestines. Ça permettait à l'État de se dédouaner en fonction des choses qu'on nous demandait de faire. Donc la plupart du temps, des choses interdites. Et je suis un prédateur de prédateurs. Je vous dis ça parce que je sais que vous visez la fonction d'alpha, mais si vous êtes un prédateur d'alpha, c'est encore mieux. Je dis ça avec question de mindset. Ça, c'est les leviers psychologiques que j'utilise régulièrement. Surtout s'il y a plusieurs personnes. La griffe, il la prend dans la cuisse et elle va descendre jusqu'en bas. Et quand ça s'est fait, le premier, il est plus là, mais le deuxième, il est plus là non plus. Parce que le deuxième réalise que là, il y a un danger de mort. Ce qui, ça impacte systématiquement les autres. Ça, tu l'as développé en formation, quand tu as appris au tout début avant de rentrer dans les cartels et tout ça, ou c'est un truc que tu as développé dans le cartel à te dire, bah, en fait, faut pas avoir de limite, quoi. Tu es préformé de manière militaire. Ok. Et ensuite, tu vois que de manière empirique, il n'y a que ça qui fonctionne. Ok. Donc tu l'as une disproportion. Là-bas. Ouais. Ok. Bah, quand tu as affaire à un groupe, et ça m'est arrivé plein de fois, et que le groupe,
commence à venir avec toi, mais tu débarres le premier, et qu'en plus tu avances vers les autres, tu obtiens des bons résultats. Quand vous ratez une marche, hop, il y a un micro court-circuit. Bah là, c'est une fenêtre. Pff, on rentre, transhypnotique. Donc, c'est une marche à ne pas rater. Ça, c'est l'étape suivante. On commence par les mains et monter, et on vient briser le pattern. 3. Dors. Totalement relâché, totalement détendu. On descend la première marche, et là, vous allez être 10 fois plus relâché. Je propose qu'on joue un premier jeu. C'est les fesses collées sur la chaise. Les fesses collées sur la chaise. Est-ce que ça vous tente? Ouais. Ça vous va comme test? Ouvrez les yeux, les gars. Comment ça va, les gars? Je vous sens bien détendu. Ouais, ça va. À la cool. Ouais, tranquille. Mais je crois que plus vous allez essayer de me rejoindre, plus ça va vous faire marrer. Je fais comment? Il y a un souci? C'est dans la fête des fantins. Je fais comment là? Allez, on va mettre faire tout ça, les gars. Soufflez fort et vous allez vous lever. Soufflez fort sur vos cuisses. Voilà, plus de poutres. Enlevez la fatigue des fentes. Et hop, tu souffles fort et tu te lèves. J'ai suivi beaucoup de formations et je crois que c'est la première fois où on parlait vraiment de l'humain. Et ouais, ça, je retiens ça vraiment en fait de ce week-end, enfin ce week-end, de ces deux jours. Ça me donne envie de pousser encore un peu plus le truc parce qu'en côtoyant des personnes qu'on connaît pas et tout ça, qui ont des chemins de vie différents et super intéressants, parfois plus dur que le sien ou quoi que ce soit, ça permet de relativiser certaines choses. Et de venir dans des groupes où tout le monde est solide. Simplement, on faisait le tour de piste, j'étais en galère sur les fonds, je me disais, des fois, l'impression que t'as d'être un peu le gars solide, ça te remet un peu en place. Parce que je pense que t'as une façon de voir la vie qui est assez similaire à la mienne. Et des fois, en fait, on a juste besoin de se rendre compte qu'on va dans la bonne direction ou d'entendre quelqu'un dire qu'il te fait la même chose que toi, ça te rassure un peu. Et franchement, j'ai apprécié le bonhomme. On parle demain. J'ai apprécié le bonhomme parce que t'as des putains de valeurs et ça se fait rare. Yes, super. Alex, merci beaucoup. Merci. Sylvain, merci beaucoup. C'est trop cool. Toi, sans rancune pour cette nuit. Je me rappelle comment c'est passé. C'est vrai? Ah ouais, c'est passé ce matin. T'es vénère gros, il m'a lâché un regard. C'est pour ça que ce matin il t'est énervé. Moi je suis chaud par un training camp à Dubaï. C'est vrai? Ah de ouf. Ah je fais direct. Merci Jim. Merci beaucoup. Merci beaucoup.